There's my sister's guitar and dance. There's my sister's microphone. It's pretty long, isn't it? And, there's my sister's lamp. Cool. And, there's my sister's pillow. This is my little brother. Lorsqu'elle me tendit le micro, je savais qu'elle avait enfin besoin de moi. Bientôt, j'aurais besoin d'elle aussi. Cathy serait partie. Jessie serait partie. Et Jamie était peut-être déjà partie depuis le début. Voici Jugs. Et ça, c'est Jugs et Abisha. Et là, c'est moi avec les écouteurs. Mais laissez-moi retourner un peu en arrière. En fait, permettez-moi de reculer encore plus loin. Quelques années avant que je rencontre le groupe, ma fille m'avait annoncé qu'elle était lesbienne. Elle avait 14 ans. Je lui ai répondu : Chérie, t'as vraiment choisi le bon mec pour être ton père. Je me fous de qui tu aimes, du moment que tu aimes. Les autres parents me demandaient : comment tu ressens le fait d'avoir une fille lesbienne ? Et je leur répondais, c'est merveilleux. Et le plus drôle est que votre fils n'aura jamais aucune chance avec elle. En même temps, je savais qu'il y aurait certainement des moments sombres. Et j'avais le sentiment que si je ne la voyais pas pleinement à ce moment précis, je n'en aurais peut-être jamais plus l'occasion.
Son groupe préféré était Sick of Sarah. Elle aimait leur musique, mais elle adorait le fait qu'elle soit lesbienne. Avec le recul, pas beaucoup de ce que j'ai fait a du sens. J'adorais ma fille, alors je suis allé sur la route avec son groupe préféré. Je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de mieux la connaître que de savoir ce qui la faisait danser. J'aimais beaucoup mon fils aussi, bien sûr. Et la vie que nous avions construite tous ensemble. Mais la vérité est qu'à tout moment, tout pouvait s'effondrer entre nous. Il y a de l'amour plus grand que les mots ne permettent d'exprimer. Nous sommes émus si nous avons de la chance, par quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Je tiens à vous raconter cette histoire. Pour vous dire combien j'aime. En dépit de tout. Nous essayons toujours de s'expliquer. Jamie était magnifique, je me souviens y réfléchir. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait qu'Abisha. Je ne voulais pas Abisha d'une manière romantique. Mais seulement de la façon dont un artiste veut un dieu. Et pour ce dieu d'être seulement humain. Jessie n'aimait pas mon appareil photo pointé sur elle. Même si elle parlait souvent fièrement de moi comme étant le caméraman attitré du groupe. Je lui répondais, non, je fais du cinéma. Mais pour elle, ma vision était moins importante que la sienne. C'est comme ça que les célébrités pensent. Je n'étais pas contrarié par Jessie. Elle avait du talent, alors j'étais indulgent. C'est ainsi que l'inconnu pense. Cathy n'était pas aussi douée. Mais elle avait un cœur blessé, ce que j'admirais. Lorsque Cathy jouait solo, je fermais les yeux et faisais comme si j'avais toujours 16 ans. Ivre du vin de pêche. Mon sang aussi chaud que les rayons du soleil. Comme toutes les générations passées et celles venant après moi.
Peut-être que j'avais encore 16 ans. Comme un adolescent, j'ai souvent vu ma solitude comme une version de l'amour. Juggs ressentait ça pour Abisha, je pense. Plus l'amour prenait une place importante, plus je me sentais seul. Le plus Abisha devenait populaire, le plus elle se renfermait sur elle-même. Elle dormait pendant les interviews. Elle trouvait des endroits où se cacher. Et puis, peu après, Juggs et Abisha ne couchaient plus ensemble. Ou bien, lorsqu'elle le faisait, Juggs récupérait les morceaux. Bien sûr, nous nous soucions le plus de ce qui ne peut pas être possédé ou approprié. Et nous aspirons toujours à ces moments précis, même s'ils sont inaccessibles. Quand j'étais enfant, je ne pensais jamais à ces types de choses. Maintenant, en raison du monde, je pense à toutes ces choses en continu. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? L'attaque à Paris n'avait alors pas encore eu lieu. Mais lorsque l'attaque est survenue, 130 ont été tués sur place. Des centaines d'autres ont été violemment blessés. Nous sommes revenus aux États-Unis. Le groupe jouait sur le Warped Tour pendant un mois. Chaque jour, nous découvrions une nouvelle ville. Chaque ville était à plus de 40 degrés. Juggs et Abisha n'arrêtaient pas de se disputer. Finalement, Abisha abandonna la lutte. Au lieu de cela, elle jouait avec le feu. Ah.
sentais proche d'Abisha. Je courais moi aussi à travers ce chaos depuis toute ma vie. He's like, oh, tomorrow it'll be fixed. Oh, tomorrow it'll be dry. Just let it dry. Go. No, we told him we're not staying. We're like, no, that's not. He's looking to get us another room, is what he's doing right now. And Monk's like, yeah, let's see it. Well, let's see your room. It took you only fucking 35 minutes to find this one. You booked this how long ago? L'auberge de jeunesse à Londres était à chier. I fucking brush my goddamn teeth in here. There's a sink over here, Bish, if you want. It probably doesn't work, dude. Why does it work? What is this fucking shitty-ass hostel? It's a hostel. Yeah, okay, but the ones we were in before were fucking a lot nicer. That's true. There's bad ones out there, and this is just fucking one of them. And it's not acceptable, you know? Absolutely not. We're not fucking staying here. Ever again. This is who has the merch money? Je croyais auparavant que dans le chaos il y avait de l'art et que dans l'art était Dieu. J'avais tort. N'était pas plus dans l'art que dans la beauté. Bien que les païennes sont soutenues par de beaux moments, she is saying every word there, but I think from that second half, maybe it picks up the momentum, and that's cool. Mm-hmm. I'm not bothered by it. I'm like, if I, nip it, tuck it, make it right, tune it, I think that'll actually be great. I mean, if you want to redo it, but I think that was, there's something cool about that. And then the sending out a warning, that's on the harmony track, the last one that she says, and I think that actually works really well, too. This is number 3 this morning already. I don't know how long of a weight I have in me. I don't know how long of a weight the girls have in them. I think that there's a lot of pressure, at least on me, I think the girls feel it too, for the next record to just be amazing and to take the band to the next level. I think that there probably will be a lot of frustration that comes forth if the record isn't that. So the most important thing is going to be that the record is good enough to be taken seriously and good enough to take the band there. And then, you know, it'll be on me to try to figure out the plan and get the pieces in place in order to exploit that. Elle ne parlait plus, mais elles se sont glissées dans un lit de nouveau, revenant lentement l'une vers l'autre.
Jesse vomissait. Je me demandais si Dieu ne faisait pas partie du chaos. Et l'amour en faisait peut-être partie? En tant que père, j'avais essayé de construire un cocon familial. Mais je n'avais toujours pas pu organiser mon propre chaos. N'avais-je pas construit notre famille en attente au milieu de l'épicentre de la tempête? Peut-être que ma fille n'était pas à la recherche de l'amour, ou de l'art, ou Dieu à travers Sick of Sarah. Elle courait peut-être après le chaos, de la retrouver à la maison. La pluie à l'extérieur du bar. Je me souviens que j'avais froid, marcher dans les rues. Je pouvais voir mon souffle comme le brouillard. Je ne pouvais pas encore savoir que de retour à la maison, mon mariage était fichu. Bien que j'aurais pu le prévoir. Les années à venir, j'allais être consommé par mes pertes. Je ne pouvais plus accompagner le chaos avec grâce. J'avais déçu mes enfants et moi-même. Le monde, bien sûr, répétera ces mots. Thank you so much. Thank you. Je me demandais
dans mes moments les plus sombres. Comment la fin se terminerait? J'ai vu Abisha encadré par le crépuscule. J'ai vu les fantômes de mon enfance. Qui étaient comme des hallucinations endurées par le stress. Et toujours, je voyais les jeunes filles qui faisaient la queue pour les autographes. Et j'ai vu ma fille dans un océan de jeunesse. J'ai vu les masses, toujours. Ils sont venus par milliers, mais semblaient juste un. Toujours, je cherchais Abisha. Mais elle n'était jamais entre eux. Bien que parfois elle essayait d'y être. Yeah, like what was going on? Like I don't even understand. I have no idea. But at least my thing popped from my burn. That's probably gonna be a scar, huh? Probably. I mean that looks pretty gnarly. Like I was just chilling and like boom, just like I fucking burned myself. Like bam. It was terrible. You know, if some of the kids at the treatment center, they do like the, oh, you know how Jessie has it on her arm? She did when she's younger. A lot of them do that. Like make patterns, like forever like burn marks on their arms because whatever. That one great night that they had, they want to remember it forever. Yeah, I'm just like, fucking A. And all the cuts. Oh, all the cuts. And a lot of girls that come to our merch meeting that just have cuts on their arm. A lot of fucked up little girls like their music. You notice that? Like, just start. I don't notice that, no. Look, when you're talking, just like look down really quick to see if you see anything. Like, so many of them on this tour, especially, I've seen something just fucking. I feel like something's just biting my sweet thigh. What? That's what happened to my head earlier. Just. Lorsque Jugs et Abisha étaient bien, le monde semblait bon pour moi. In my shorts. Bug wants some of my sweet thigh. Some of your sweet, that's some of that sweet chicken leg right there. Some of that sweet chicken leg. That chicken thigh right there. That's my shit. Parfois, Abisha semblait vouloir une vie de tous les jours. Revenir à la maison le soir, se brosser les dents. Ne pas toujours avoir quelqu'un qui la regardait. What the fuck is that noise? What's going on? What's going on? I can't troubleshoot everything. I don't know how to fucking work this thing. Where the fuck is my coffee? Fuck. Can you turn that shit off, please? Where's my coffee?
No, you're not gonna turn it off, are you? Hey, yeah, hey. C'est vrai que j'étais un voyeur. Mais comme tous les voyeurs, je me regardais moi-même. Je me demande si c'est le but des célébrités de nous montrer à nous-mêmes comme nous nous voyons. Et qu'est-ce que les célébrités voient bien en retour? Je me demande maintenant. Katie, can you fetch me some water, please? Can you suck on my balls? The water is closer to you than it is to me. But ain't nobody got time for your bullshit, all right? Katie! Just chuck one at her. Yeah. Just chuck it at her. Is that recording? Fuck yeah, it is. Perfect. Excuse me, sweetheart. Dans les moments qui ont été plus grands que la vie, je me suis demandé si Sick of Sarah savait que ça ne durerait pas. Un an après, Jamie quitta le groupe. Cathy partirait aussi. Finalement, Jesse le fera également. Après beaucoup de nuits, un an après, Juggs m'appellera. Je la rappellerai aussi. Nous étions tous les deux en train de se reconstruire, rester sobres pour survivre. Dans le monde, il y avait de plus en plus d'attaques. Dans plusieurs des endroits que nous avions parcourus. Je vous raconte cette histoire. Pour vous dire combien j'aime. Mais que si la mesure de mon amour est toujours la mesure de ma perte. J'avais tout. Dans le temps,
Je me sentais comme si j'avais perdu tout cela. Ma solitude a mangé au travers de mes souvenirs. Parfois, je textais à Bichat. Mais elle ne répondait pas. J'ai appris à détester Abisha, étant absent, alors que je me noyais. Jusqu'à ce que, une nuit, Abisha appela enfin. Et je suis tombé amoureux. Parce que je n'avais personne d'autre. Et Abisha non plus. J'ai dû redevenir moi-même, mais ne savais pas toujours comment. Dans ce monde, comment pouvons-nous savoir qui nous sommes ? Finalement, j'aurai l'impression de ressentir la douleur de ma fille dans un monde qui l'empêchait d'aimer. Aujourd'hui, je suis rappelé qu'au cours de ce concert, je m'étais fait une note à moi-même pour dire à ma fille: tu dois faire exactement ce qu'ils essaient de t'empêcher de faire. Mais je ne me souviens pas si j'ai fini par lui dire. Ou bien si l'idée m'a échappé. J'essaie de me souvenir.
Thank you.